Bonjour les amis de la planète. Alors, aujourd'hui... Donc Cara me ramène toujours des bâtons plus gros qu'elle. Et donc là, en fait, il a coulé, elle le cherche. Alors, viens le voir. Ah, ma Cara, viens là. Viens là, viens là. Donc je voulais parler, le débat du vendredi, je voulais parler avec vous des grosses chaleurs. Faites très attention, alors pareil, vous allez me dire ce que vous en pensez, faites très attention quand il fait chaud comme ça, à vos chiens, parce qu'ils peuvent attraper des gros coups de chaud. Et ça peut être très problématique en fait. Donc il faut surtout, quand vous vous baladez, baladez-vous à des heures, soit très tôt, soit tard dans la soirée. C'est mieux pour votre chien. Une petite sortie si vous voulez à midi, si vous rentrez, sortie, pipi, caca, enfin voilà. Mais privilégiez les endroits frais. Donc ici, là nous sommes en Ardèche et là voilà, un endroit comme ça, en fin de journée, c'est royal pour nos toutous. Que ce soit un parc, que ce soit un lac, que ce soit une rivière, n'importe, vous pouvez même mettre, vous savez les bacs là pour bébé, les petits bacs là, les mini coquilles, vous pouvez les remplir d'eau ou jouer avec eux avec le jet d'eau, c'est très bien, ça va leur permettre de descendre en température. Donc voilà, donc, et vous, qu'est-ce que vous faites pour faire descendre votre chien comme ça en température? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place comme balade? Est-ce que vous adaptez vos balades, vos heures de sortie? Dans quel endroit vous les emmenez? Elle nous fait du sous l'eau. Dans quel endroit vous les amenez? Ben voilà, j'aimerais que ce vendredi on parle de ça, qu'on donne peut-être des endroits à certaines personnes qui sont dans le même département. Pourquoi pas dans les commentaires dire ben voilà, moi je fais partie du 38 et j'ai tel ou tel coin à vous conseiller. Voilà, nous là on est en Ardèche, on est au bord des gorges, donc c'est super, c'est un cadre génial. Après certaines personnes n'ont pas un cadre comme ça et ça peut se comprendre, donc mettez dans les commentaires dans quel département vous êtes et où est-ce que vous promenez vos chiens. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à bientôt.